Alors, pour vérifier donc les signes de maladie et vérifier que votre cheval est en bonne santé ou si vous avez un doute justement sur son état de santé, vous allez vous en rendre compte par différents symptômes qui peuvent apparaître. Par exemple, un cheval qui va commencer à tousser, qui va commencer à avoir un jetage par le nez. Vérifiez également les crottins. D'un seul coup, vous avez les crottins qui sont différents de la normale. Si votre cheval est abattu, si vous voyez que par exemple, il a du mal à s'alimenter, il boude un petit peu sa ration, la tête en bas, etc. Aussi un signe de fatigue, vous voyez que votre cheval est plus abattu que d'habitude, il a du mal à se déplacer, il n'est pas très courageux au travail. Ou à l'inverse, un cheval qui va être plus surexcité et plus tonique qu'à la normale. Dès que vous voyez un changement dans son comportement, là on peut se dire et on peut s'alarmer sur le fait qu'il y ait éventuellement une maladie.